bienvenue dans C'est à vous, en direct jusqu'à 20h50. Patrick et Émilie ne sont pas là ce soir, rien à voir avec Omicron ni avec le Covid. Émilie sera de retour lundi prochain, Patrick, lui, sera là dès mercredi. On les embrasse quoi qu'il arrive, tous les deux. Mais autour de la table ce soir, c'est le retour des cols roulés. Patrick, avec Pierre et Mohamed, vous vous êtes donné le... On s'est écrit. On s'est tapé. C'est intéressant. Voilà. Mohamed, votre story du jour. Un drame, une tragédie. Mercredi dernier, 27 réfugiés ont perdu la vie en mer. Ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Parmi eux, une femme, une histoire dramatique, celle de Mariam. Je vous raconte son histoire ce soir. Pierre, dans votre œil. Joséphine Baker, l'artiste, l'humaniste, la résistante et aussi sa présence aux côtés de Martin Luther King à la fameuse marche de Washington en août 1963. Mathieu, dans votre 5 sur 5. Les 10 ans d'Uber, voilà 10 ans que vous circulez peut-être en Uber, que vous commandez à manger, je ne sais pas. C'est même devenu un verbe, figurez-vous. Eh bien, la patronne d'Uber France sera avec nous dans le 5 sur 5 tout à l'heure. Et David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci, bonsoir. Cher David, votre édito sera consacré... Zemmour trébuche, Marine Le Pen boit du petit lait. C'est d'ailleurs la une du quotidien, le Parisien aujourd'hui en France. Zemmour va-t-il faire pchit? Autant de sujets que l'on soumet à nos invités. Avant de recevoir pour le dîner, dans le respect des gestes barrières, on sera moins de 8 à table et à bonne distance, Julien Clerc et Michel Bernier. Autour de Noix de Saint-Jacques de plongée. Eh ben oui, cher Olivier Valade, notre chef ce soir, chef du restaurant La Chapelle au Château Saint-Jean à Montluçon. Si on dit qu'elles sont plongées, c'est qu'elles ont été pêchées une par une à la main avec des plongeurs qui descendent avec des bouteilles et ils les remontent et comme ça elles sont magnifiques et surtout elles ne détruisent pas un petit peu les fonds marins. Merci beaucoup, ouais. Olivier Valade. À tout à l'heure. Bonsoir Mathieu Orphelin. Bonsoir. Député écologiste du Maine-et-Loire, vous n'êtes pas allergique aux fruits de mer ? Non, les Saint-Jacques parfaits en carpaccio. Ah bon, merci de votre présence ce soir, alors que vous n'êtes plus le porte-parole du candidat Europe Écologie Les Verts, mis en retraite depuis samedi soir, décision prise par l'équipe de Yannick Jadot, deux jours après les nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol qui visent Nicolas Hulot, dont vous êtes proche, puisque vous étiez l'un des cofondateurs de sa fondation. Vous avez expliqué de vous expliquer pour la première fois ce soir après cette éviction. On y revient, mais d'abord, c'est l'édito de David Doucan. David, la candidature d'Éric Zemmour marque le pas, avant même d'avoir été déclarée, la cause, selon vous, de l'inexpérience du polémiste. Et oui, Éric Zemmour revendiqué le fait d'être un débutant. Eh bien, il en fait la démonstration. J'ai listé dans l'ordre chronologique une série d'erreurs qu'un candidat plus expérimenté n'aurait sans doute pas commises. La première, c'est d'avoir cru que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pouvait être au cœur des débats de l'élection présidentielle de 2022. Lorsque quelqu'un m'explique que Vichy a protégé les Juifs, j'arrête de l'écouter, a flingué Édouard Philippe. Et le Premier ministre n'est pas le seul à réagir ainsi. Deuxième erreur, pointer un fusil sur des journalistes. On ne peut pas se poser comme un candidat de l'ordre, de l'autorité et démontrer qu'on ignore les règles les plus élémentaires du maniement des armes. Et d'ailleurs, les syndicalistes de police l'ont vertement fait remarquer à Éric Zemmour. On ne pointe pas une arme, même déchargée, sur quelqu'un pour rigoler. Troisième faute tactique, être allé faire de la politique politicienne le jour de l'anniversaire des attentats de 2015 devant le Bataclan en attaquant François Hollande. C'est un moment de bascule dans la pré-campagne d'Éric Zemmour. 10 terroristes du Bataclan et en Belgique qui étaient passés avec les migrants par la Hongrie et qui étaient remontés vers la France. Donc François Hollande, qui ne l'ignorait pas, il ne savait pas évidemment quel migrant, quel terroriste serait, mais il savait qu'il y aurait des terroristes, n'a pas protégé les Français. Voilà, alors même Robert Ménard, le maire de Béziers, qui avait pourtant montré de la sympathie pour Éric Zemmour, il l'avait même accueilli dans sa ville pour une réunion publique, même Robert Ménard a trouvé qu'il était allé beaucoup trop loin dans la provocation. Les associations de familles des victimes l'ont logiquement accusé d'avoir insulté la mémoire de leurs proches. L'insulte, technique iconoclaste lorsque l'on veut recueillir les suffrages du plus grand nombre. L'insulte, à nouveau, avant-hier, avec ce fameux doigt d'honneur à Marseille. Preuve cette fois d'un manque de sang-froid. Or, nos concitoyens vont regarder le sang-froid des différents candidats dans les prochains mois. En 2008, crise financière. En 2015, crise terroriste, on vient de s'en souvenir. Et en ce moment, ça, on n'en sort pas. Crise pandémique. Donc, les Français cherchent un capitaine de gros temps, pas quelqu'un qui semble
perdre ses nerfs après deux jours de déplacement compliqué à Marseille. À chacune de ses erreurs, Éric Zemmour révèle un manque de crédibilité. Et Marine Le Pen se régale. Marine Le Pen, justement, qui n'a pas loupé son concurrent d'extrême droite. Oui, elle aurait eu tort de se priver, c'était hier midi sur RTL. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Voilà, il n'a pas l'air très à l'aise dans cet exercice. Éric Zemmour avait lancé sa candidature sur une promesse qui était celle de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Je crois que cette promesse, aujourd'hui, clairement, n'est pas tenue. Marine Le Pen, elle sent, comme tout le monde, une faiblesse. Alors elle cogne, elle essaye de porter l'estocade, mais pas sur les idées d'Éric Zemmour, sur sa capacité. Parce que Marine Le Pen souhaite, bien sûr, que la candidature d'Éric Zemmour fasse pchit, mais pas son projet. Le projet d'Éric Zemmour, c'est l'union des électorats de la droite et de l'extrême droite. Or, nouveau diable, Éric Zemmour plante le dernier clou dans le cercueil de la diabolisation du FN. Le Pen, qui a eu très peur au mois de septembre, aujourd'hui est en pleine forme parce qu'elle pense que Zemmour peut lui servir de marchepied. Il la recentre, en quelque sorte, grâce à lui ou à cause de lui. Elle a l'air fréquentable, raisonnable. Elle fait moins peur. Et c'est d'ailleurs la hantise des macronistes en ce moment, lorsque vous discutez avec certains ministres, ils vous en parlent, qu'à la fin des fins, les Français aient été tellement épouvantés par Éric Zemmour, qu'il ne juge plus utile de faire barrage à Marine Le Pen. Mathieu Orphelin, votre regard sur la campagne d'Éric Zemmour qui semble faire pchit. C'est un candidat inexpérimenté ? C'est surtout un candidat raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, qui ne respecte pas la République. Tant mieux si aujourd'hui sa campagne marque le pas, mais c'est un homme dangereux pour notre République. Mais qui donne le sentiment que Marine Le Pen, elle ne fait plus peur et qu'il ne faudrait pas nécessairement faire barrage. Elle continue à vous faire peur. Elle continue à me faire peur par son discours, les solutions qu'elle met en avant, son manque de travail sur les dossiers, on le voit à l'Assemblée nationale. Mais je les mets dans le même paquet. Zemmour et Marine Le Pen sont évidemment des candidats dangereux pour notre pays. En cas de deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous vous appellerez à faire barrage contre J'espère la candidate du Rassemblement National. J'espère qu'il n'y aura pas un deuxième tour comme ça. On l'a déjà vécu en 2017. Mais voilà, il faut tout faire vraiment pour se battre contre ces idées. Et je crois vraiment que Éric Zemmour... Macron ou pas dans un duel Macron-Le Pen si on veut faire de la politique fiction, dans ce c'est, cas-là, c'est oui, ça s'impose. Ça s'imposerait, je ne sais pas comment vous dire. Mais le fait est qu'Éric Zemmour, il a eu une stratégie. Chaque jour, une bouse, comme on dit. Enfin, vraiment, chaque jour, l'obligation de commenter... Enfin, évidemment, bien sûr, les images à chaque fois sont choquantes, mais ce qui est le plus choquant avec lui, ce sont ses idées. Ce sont les idées qu'il met en avant. Et ça, je crois qu'on n'a pas le droit de se résigner face à ça. Et la seule possibilité, c'est de s'engager justement à combattre ses idées. Il est raciste, il est xénophobe, je l'ai dit, il est homophobe, il est sexiste. Il faut le combattre. Et pas débattre. Pas débattre avec Zemmour. Il faut le combattre. Le combattre. C'est ça, c'est combattre, c'est les idées politiques les unes contre les autres. Mais on ne le laisse pas, comme aujourd'hui, exister, prendre toute la place médiatique. Mounir Satouri, le directeur de campagne Yannick Jadot, a donc annoncé samedi soir à l'AFP, l'agence France Presse, votre mise en retrait comme porte-parole du candidat écologiste. Yannick Jadot s'en est expliqué ce matin sur RTL. À partir du moment où Mathieu Orphelin, évidemment, n'est pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot, mais à partir du moment où il va être interrogé sur ce sujet-là, et moi je veux qu'on entende la parole des femmes, je veux qu'enfin dans ce pays on entende la parole des femmes et qu'on agisse, à partir de ce moment-là, il doit trouver, il doit reprendre sa liberté de parole, il doit porter sa propre parole. Comprenez-vous la décision du candidat Yannick Jadot, de son équipe et la manière dont vous avez appris cette mise en retrait, je crois, une heure avant le communiqué à l'AFP, vous a-t-elle choqué ? Ce qui m'a choqué, c'est évidemment les témoignages de ces femmes d'Envoyé spécial. Je crois qu'on a été nombreux et nombreuses à regarder ces 5 témoignages terribles. Je leur dis toute mon estime pour avoir eu le courage de témoigner face à des faits qui sont très graves. Et ma pensée, elle est d'abord pour ces victimes. Vous et pour que cesse. Qu'elles disent la vérité, a priori. Oui, écoutez, on a 5 témoignages. On en a, je crois, 2 ou 3 après l'émission.
Je ne crois pas au complot ou au coup monté. Ces femmes ne se connaissent pas. Ce qu'elles racontent, il y a un certain nombre de similitudes. J'ai tout découvert en même temps mais que toutes celles mais vous connaissez Nicolas ceux... Hulot, vous en avez été proche. Vous oui, en êtes toujours proche. Vous non, l'imaginez. Je ne suis pas plus proche, mais pour d'autres raisons. On a coupé contact il y a quelques mois, mais pas à cause de ces raisons. Mais le fait est que je ne remets absolument pas en question les témoignages de ces femmes. Il faut imaginer le courage pour faire ces témoignages. Et il faut aujourd'hui... Ben, il y a cet électrochoc terrible sur Nicolas Hulot, qui est une personnalité connue et reconnue par les Français et les Françaises. Oui, eh bien, il faut vraiment aujourd'hui prendre la mesure du courage de ces femmes et tout faire pour que les violences sexistes et sexuelles, je ne citerai qu'un chiffre ce soir, mais 9 femmes sur 10 ont eu dans leur vie des pressions pour des rapports sexuels. 9 femmes sur 10 sur un échantillon de 45 000 femmes. Donc, oui, il faut que ça cesse. Oui, il faut que toute notre société, bien sûr le monde politique, mais dans nos familles, dans nos entreprises, dans les associations, partout, cesse les violences faites aux femmes. Aucune excuse n'est possible et il doit y avoir, vraiment, on doit tout mettre en œuvre pour lutter contre ça. Je crois que c'est très important et c'est évidemment ce que je retiens de ces témoignages. Terrible. Mathieu Orphelin, pendant 3 ans, de 2012 à 2015, vous avez été porte-parole de la Fondation pour la Nature et l'Homme, anciennement Fondation Nicolas Hulot, membre du conseil scientifique de cette fondation. Vous n'avez jamais couvert le moindre agissement répréhensible de Nicolas Hulot, c'est ce que vous avez rappelé dans votre premier communiqué. Mais à défaut d'avoir couvert, étiez-vous au courant d'agissements ou d'attitudes déplacées de Nicolas Hulot envers ces femmes, envers des femmes ? Évidemment non. Je le redis, les 5 témoignages et les 3 d'après, je les ai découverts comme tout le monde. Évidemment que je n'ai jamais couvert de tels agissements. Évidemment que je n'ai jamais été au courant de tels agissements. Nicolas Hulot, je le voyais comme, je crois d'ailleurs, Bérangère Bonte l'avait écrit dans son ouvrage. Quelqu'un Bérangère. Qui, effectivement, était séducteur, draguait. On l'a vu faire des dragues lourdes. Vous l'avez jamais... vous en avez été témoin. Oui, mais jamais je n'ai vu. Et je ne dis surtout pas que ça n'a pas existé, hein, qu'on se comprenne bien. Mais jamais, jamais je n'ai vu, je sais que c'est la même chose pour Pascal Durand, Jean-Paul Besset, on va dire ceux qui étaient connus comme les proches de Nicolas Hulot, jamais, évidemment, ça aurait tout changé de notre rapport à Nicolas Hulot. Alors comment expliquez-vous votre mise à l'écart de Yannick Jadot ? Écoutez, parce que c'est votre proximité avec Nicolas Hulot que vous semblez... payer aujourd'hui. En tout cas, moi je refuse de payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai eu cet échange effectivement quelques minutes avant que le communiqué parte à l'AFP avec Yannick Jadot et il m'a dit je ne remets évidemment pas en doute ce que tu dis, que tu n'étais pas au courant. Donc ça c'est d'abord très important. Yannick Jadot, je le respecte. J'étais le premier des personnalités écologistes à le soutenir dans la primaire. Je crois d'ailleurs le seul avant le premier tour. Donc voilà, il a pris cette décision pour des raisons qui lui sont propres. Mais que vous comprenez. A-t-il été... En gros, rester son porte-parole, c'était mettre en danger sa campagne, c'était brouiller les messages. Moi, je crois qu'il y avait plein d'autres solutions de gérer ça, et notamment, par exemple, poser les questions aux femmes qui avaient témoigné sur le fait est-ce que moi j'aurais pu être impliqué de près ou de loin. Ça a été fait par quelques journalistes d'ailleurs depuis, et évidemment, je n'étais au courant de rien. Donc je n'ai rien couvert. C'est injuste. Non, l'injustice, c'est pour les femmes. Moi, je suis. C'est ça, aujourd'hui. Moi, c'est pas injuste par rapport à moi. J'ai pas passé le meilleur week-end de ma vie. Je vais pas vous dire le contraire. Pour ma famille, c'était pas évident. Mais c'est pas moi la victime. La victime, ce sont les femmes. Donc voilà, ils ont décidé de me mettre en retrait. Je l'ai appris une demi-heure avant que la décision soit publique. J'ai pas pu m'expliquer, mais... Que craignait exactement ? On comprend pas. Que craignait l'équipe de Yannick Jadot et... Je ne peux pas vous dire à leur place. Ils l'ont dit. Ils pensent que vous auriez été systématiquement interrogé sur cette affaire. Mais vous n'auriez pu, continuer de porter sa parole. Voilà ce qu'ils disent. Je trouve. Enfin, encore une fois, je respecte leur décision. Vous la respectez, mais vous la vivez comme une injustice. Non, l'injustice, c'est l'injustice aux femmes. C'est ça qui est important dans notre société. Ça, il faut que ça cesse. Il y a plein de mesures à mettre en œuvre. Sur les moyens, sur la protection, pour éloigner les maris violents. Moi, dans ma circonscription, j'étais l'autre jour à la gendarmerie de Verrières-en-Anjou.
Des gendarmes, ils m'ont dit, il y a des jours, on ne fait plus que des violences faites aux femmes. On ne fait plus rien d'autre que des violences faites aux femmes. Donc c'est ça l'injustice. Après, j'ai trouvé la manière de Yannick Jadot, je lui ai dit, par rapport à moi, un peu inélégante, mais il prend ses décisions, c'est le candidat, c'est pas bien grave, je m'en sortirai. Moi, il faut vraiment, par contre, les violences faites aux femmes, justement, il faut que ce soit stop, zéro minutité dans notre société. Justement, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle. Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux enquêteurs? Et que pourrez-vous leur dire? Que vous avez été le témoin de drague lourde, c'est ça? Évidemment que je suis à la disposition de la justice, si jamais ils veulent m'interroger. Évidemment, il n'y a même pas de questions. Et évidemment que je leur dirai la même chose. De manière un peu plus détaillée sûrement que ce que je vous ai dit là. Mais je n'ai rien à cacher, vous voyez, je n'ai rien à cacher. Après, on peut toujours, et c'est ce que je fais depuis 3 jours, qu'est-ce que j'aurais pu voir? Est-ce que j'ai loupé un truc? Vous voyez, est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que j'avais eu des signaux? Mais pour l'instant, je ne les ai pas trouvés. Mais, par exemple, vendredi matin, au lendemain de la diffusion d'Envoyé spécial, Pauline Laveau, ancienne militante Europe Écologie Les Verts, déclarait qu'elle avait été écartée de la campagne de Nicolas Hulot pour la primaire écologiste en 2011 pour ces raisons. J'avais fait un déplacement avec lui. Le soir de ce déplacement, je ne sais pas comment il avait eu mon numéro, il m'avait appelé tard, vers 23h. Suite à ça, il m'avait envoyé un SMS pour me souhaiter bonne nuit. Donc là, j'avais compris que c'était pas un appel professionnel, clairement. Et quelques jours après cet échange, une personne de son équipe est venue me voir spontanément pour me dire que j'allais pas pouvoir faire partie de l'équipe de campagne parce que j'excitais trop le candidat. Finalement, il y avait une sorte de système autour de lui qui mettait en place une sorte de stratégie pour écarter toutes les personnes qui potentiellement pourraient être source de problèmes, le problème étant qu'il aurait pu les agresser. À l'époque, ce genre de propos de fait ne vous était pas rapporté ? Non, là aussi, c'est un courage, je crois, pour Mme Laveau de témoigner comme ça. Tout le week-end, on m'a dit, c'est sûrement Mathieu Orphelin, vous avez vu sur les réseaux. Hein. Elle a répondu elle-même ce matin à un journaliste qui l'interrogeait. Pourquoi d'autres journalistes ne lui ont pas demandé avant? C'est une autre question, mais elle a bien dit que ce n'était pas moi, que je n'étais pas présent. C'est et pas vous qui avez dit, vous excitez trop le candidat. Elle le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est elle ce matin qui le dit dans Ouest France. Elle le dit, elle dit que je n'étais pas présent, je n'ai pas été au courant de cette affaire avant 2018. 2018, au moment de l'hebdo, puisque Madame Laveau avait déjà témoigné publiquement à ce moment-là, on m'envoie son témoignage après la parution de l'hebdo. Mais jamais, jamais, je n'ai été au courant de ça. Et évidemment, imaginez si nous, on avait été au courant que notre candidat, le soir, envoie des textos à des gens qu'il a rencontrés dans la journée. Mathieu Orphelin, vous avez donc été évincé de la campagne de Yannick Jadot. Question toute simple, vous souhaitez toujours sa victoire en 2022 ? Oui. En tout cas, comment vous dire ça ? Donc on avait laissez-moi. Non, mais attendez, laissez-moi quand même digérer tout ce qui m'arrive depuis trois jours. Ce sont des valeurs que vous défendez, celles de l'écologie. Et c'est pour ça peut-être que ce week-end, ça a été compliqué pour moi, parce que la lutte pour l'égalité femmes-hommes, c'est au cœur. C'est au cœur de mes combats. Bon. Mais c'est important. Oui. Ma première action, quand j'étais vice-président de la région Pays de la Loire, c'est de mettre en place des actions éducatives dans les lycées sur l'égalité femmes-hommes. Vous trouvez Allez-y. C'est important parce que les actions, c'est important. J'étais coprésident du premier groupe à l'Assemblée nationale qui a adopté une charte de l'égalité femmes-hommes, avec notamment tout un volet sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, voilà. Pour moi, c'est évidemment des thèmes importants. Et j'en ai oublié votre question. Est-ce que Yannick Jadot doit, à vos yeux, gagner l'élection présidentielle l'année prochaine? Est-ce que c'est toujours votre candidat? J'ai été mis de côté de sa campagne. Oui. Maintenant, ce n'est pas ça qui va me mettre de côté de l'écologie. Bon. Ma vie, c'est l'écologie. Bon, vous allez voter pour depuis lui. Depuis 25 ans, ma vie, c'est l'écologie. Alors, il y a une question. Parlons d'écologie. Dans le monde associatif, et notamment la Fondation Nicolas Hulot, vous l'avez rappelé, dans tous mes engagements, c'est le combat de ma vie. L'écologie, justement. Et donc, Je voterai toujours pour l'écologie. Bon. Voilà ma réponse. Bon, Mathieu Orphelin, le risque climatique angoisse nos concitoyens. La COP26 a été un échec, selon la plupart des observateurs. Emmanuel Macron relance le nucléaire. Et la candidature de Yannick Jadot reste scotchée, 7, 8% en fonction des enquêtes d'opinion, en tout cas en dessous de 10. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est le candidat qui ne réussit pas à emporter les foules? Quel est le problème? Vous n'allez pas m'emmener... Je le rappelle, j'ai été le premier à soutenir Yannick Jadot. Oui, donc tout le monde aimerait bien que je dise du mal. Mais quand ça ne décollait pas dans les sondages, vous lui disiez quoi à Yannick Jadot? Je lui disais qu'on doit amplifier la campagne,
que là, on doit faire une campagne différente. On doit peut-être être, plutôt que dans l'angoisse, vous avez raison, hein, beaucoup de gens, et notamment chez les moins de 35 ans, sont angoissés, parce que par rapport à nos générations, ils sont nés avec le changement climatique. Moi, la première fois qu'on m'a parlé du changement climatique, c'était pendant ma bibliothèse. Bon, voilà, mais Jadot ne décolle pas. Mais que se passe-t-il? Je pense qu'il faudrait... Maintenant, c'est sa campagne, depuis le début. Et puis moi, je n'y suis plus, donc de facto. Mais je lui conseille de beaucoup plus axer sa campagne sur la mobilisation générale, en particulier sur les jeunes, sur les solutions. Parce que je ne suis pas pour la désespérance. J'ai toujours porté l'écologie des solutions. Je crois que d'ailleurs, c'est des termes qui lui parlent à Yannick Jadot. Donc il faut faire une campagne beaucoup plus de terrain, aller voir ces jeunes qui n'ont pas voté au régional, je suis bien placé pour le savoir, mais qui vont voter à la présidentielle. Et donc il faut leur donner cette espérance. Je ne veux pas qu'on se résigne face à tous ces grands sujets. Et donc Anne Hidalgo doit peut-être éventuellement s'allier avec Yannick Jadot, parce que c'est deux candidatures qui ne décollent pas, hein. Écoutez, celle de Yannick Jadot, ni celle d'Anne Hidalgo, et c'est la dernière question. Moi, je pense que plus il y a de candidats à gauche, moins il y a de chances de victoire. Et moi, je les incite, les uns et les autres, à se parler, à trouver les convergences. Je trouve que l'initiative de la primaire populaire, même si là, c'est défaut, voilà, peut-être, mais il y a là un moyen d'avancer. Ça faisait partie peut-être des écarts que j'avais avec Yannick Jadot. Je ne dis pas qu'il doit participer sans condition à la primaire populaire. Mais je crois que beaucoup de gens, les gens, ils veulent pas des accords de parti, ils veulent pas de ça, ils veulent de l'espérance. L'espérance des solutions, de vivre mieux demain, mais aussi l'espérance d'une victoire. Merci, vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité, c'est la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, bonsoir, c'est l'une des premières victimes identifiées lors du naufrage survenu dans la Manche mercredi dernier. C'est l'histoire de Mariam. Mariam Nouri Ama Amin avait 24 ans. Cette Kurde irakienne a perdu la vie dans une tragédie, mercredi dernier. Le naufrage d'un canot de migrants qui a fait 27 morts. Sur cette photo, on la voit avec son fiancé Kazan. Cette image a bouleversé le monde ce week-end. On découvre une femme amoureuse qui voulait traverser la mer, pour retrouver son homme. C'est ici, près de Calais, qu'elle a embarqué sur un canot pour rejoindre l'Angleterre. Début novembre, elle avait fui le Kurdistan. Elle s'était envolée d'Erbil pour vivre son rêve. Mohamed hugged his sister goodbye at Erbil Airport and never saw her again. Baran, comme l'appelaient ses intimes, ce qui veut dire pluie en kurde, contre l'avis de sa famille, elle a absolument voulu suivre la route de ces milliers de réfugiés qui cherchent de l'espoir en Europe. Elle a voyagé via la Turquie, l'Italie, l'Allemagne et enfin la France. Tous les soirs, elle appelait son père pour lui donner de ses nouvelles. Quelques heures avant le drame, elle n'a pas oublié son rituel. Mercredi dernier, elle a pris la mer avec une trentaine de personnes entassées sur son canot. Elle a informé son fiancé, Kazan, de son ambition de traverser la mer en bateau au dernier moment. Kazan a essayé de l'en dissuader. Baran lui a envoyé un mot. « Je viens à toi maintenant ». Son futur mari suit son parcours grâce à une balise GPS sur le téléphone portable. Au bout de quelques heures de traversée, le bateau prend l'eau. Elle lui envoie un message. « Ne t'inquiète pas, les sauveteurs vont arriver ». Dans la foulée de ce dernier message de Baran, plus rien. Au bout de 4h18, son téléphone ne borne plus. Son signal GPS n'émet plus. Mariam est morte, avec 26 autres personnes, dont une femme enceinte et 3 enfants au milieu de la mer. Kazan, le futur marié endeuillé, décide d'appeler la belle famille pour les prévenir du drame. Officiellement, sa mort n'a pas été confirmée. Les autorités françaises gardent le silence. C'est le fiancé, sans nouvelles, qui a prévenu la famille au Kurdistan, plongeant des centaines de personnes dans un immense chagrin. This video is from Baran's engagement party last year. She was looking forward to arranging their wedding when she reunited with her fiancé in the UK. On Wednesday, after months apart, he was excitedly following her progress across the channel. Halfway across, the signal just stopped. La famille de Baran attend le retour du corps pour organiser des funérailles. Deux personnes ont survécu.
Elles sont à l'hôpital pour hypothermie. 5 passeurs ont été arrêtés par les autorités françaises. Ce matin, le candidat à la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, a réagi sur les drames que vivent ces femmes et ces hommes. Il a fait une proposition pour tenter de mettre la pression sur le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Si je veux éviter de nouveaux drames, eh bien on va arrêter de les voir prendre des embarcations de fortune. On va les laisser prendre le ferry. Comme ça, au moins... Vous laissez les migrants monter sur des ferries, en toute légalité, donc, vers l'Angleterre, payer un billet à l'entrée. Parce que, oui, bah c'est 15 euros, ça leur évitera le racket, la rançon des passeurs, et dans d'autres conditions. Et vous savez pourquoi? Et si Boris Johnson dit non à l'arrivée, comme une menace de le faire? Non, la seule chose, c'est qu'il va gérer le problème chez lui. Il va arrêter de nous faire la leçon. Et il va changer ses règles d'immigration. Parce qu'aujourd'hui, l'immigration illégale, il demande à la France de la réguler. Mathieu Orphelin, c'est une bonne proposition de la part de Xavier Bertrand. D'abord, ce qui est intéressant dans votre récit, c'est qu'on voit que derrière ces chiffres, parce qu'on dit toujours 100 migrants récupérés en mer, je salue le travail des sauveteurs et de tous ceux qui sont mobilisés, mais on parle de chiffres, etc. Mais derrière, c'est à chaque fois un destin brisé. Quelqu'un qui s'enfuit de son pays pour avoir une vie moins misérable, une vie meilleure. Et ce que je trouve, vous venez très bien de montrer, c'est qu'il ne faut jamais oublier que derrière, c'est des humains et des humaines qui se lancent dans des aventures terribles, pour juste essayer de vivre mieux. Alors, quand Xavier Bertrand veut montrer les muscles par rapport à Boris Johnson, moi, je trouve que c'est complètement à côté de la plaque. Et donc, non, ce n'est pas une bonne solution. Les bonnes solutions, c'est d'abord de tout faire pour secourir ces personnes-là, bien plus qu'on le fait aujourd'hui. C'est aussi trouver des solutions, parce que, d'ailleurs, les taux... d'acceptation de l'asile, parce qu'on parle d'asile pour beaucoup de ces gens-là. On parle d'asile, et ça, c'est le droit international, c'est le droit européen, c'est le droit français. On doit l'asile, c'est pas une faveur qu'on fait à ces gens-là. Et les taux d'acceptation de l'asile au Royaume-Uni, ils sont pas si mauvais que ça. Mmh. On est autour de 50-55%. Donc, s'ils arrivent à demander l'asile, ils l'obtiennent dans un cas sur deux. Est-ce qu'on peut faire des hotspots chez nous, etc. Mais on peut pas continuer. C'est inhumain ce que vivent ces personnes-là. Et je crois vraiment que cette posture, d'ailleurs, ils ont été très durs, les candidats républicains, entre eux, c'était entre celui qui était le plus inhumain par rapport à l'autre. C'est pas ça. On parle d'hommes, de femmes, on parle d'enfants. Et évidemment qu'on doit tout faire pour les sauver, faciliter les démarches sur les réfugiés, pour ceux qui peuvent bénéficier de ce statut. Et puis après, voir aussi sur d'autres façons de repenser notre immigration. Merci beaucoup Mohamed, vous restez avec nous. Jugé préoccupant hier encore, le variant Omicron est désormais considéré comme un risque très élevé par l'Organisation mondiale de la santé. L'Afrique du Sud, pays où le variant a été repéré pour la première fois, s'attend à une hausse exponentielle des contaminations avec au moins 10 000 cas par jour. Et alors que des cas sont d'ores et déjà détectés dans une douzaine de pays dans le monde, certains ont décidé dans l'urgence de se barricader et de fermer leurs frontières. La planète en état d'alerte. Face aux variants, de nombreux pays se barricadent. Les vols pour l'Afrique australe ont déjà été suspendus par l'Union européenne et les États-Unis. Certains pays prennent même des mesures plus radicales. Israël interdit désormais l'entrée de tous les étrangers sur son territoire. En Europe, je le redis, nous n'avons jamais fermé complètement les frontières. Notre arme, c'est le pass sanitaire, c'est d'accélérer encore la vaccination, et puis pour les non-vaccinés notamment, d'avoir des tests plus récents. Donc on aura une circulation européenne que j'espère préserver au maximum. Il a fallu des mois et des mois avant que le gouvernement se décide à maîtriser les frontières, alors même qu'il y avait à nos frontières des pays qui étaient extrêmement touchés par la pandémie. Encore aujourd'hui, les contrôles sont quand même très très aléatoires. Bonsoir Gérald Kirzek. Bonsoir. Médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel Dieu PHP à Paris. Chroniqueur santé, directeur médical de Doctissimo. Merci de votre présence ce soir. Fermer les frontières, c'est le réflexe presque d'urgence, de panique. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est carrément inutile? C'est le réflexe de panique, vous avez dit le mot. Alors la panique, je peux comprendre en mars 2020, quand on ne savait pas ce qui allait nous tomber sur la figure, avec éventuellement un virus mystérieux chinois, rappelez-vous les titres. Un an et demi après, alors qu'on connaît mieux le virus, qu'on connaît mieux son mode de circulation et surtout qu'on a prouvé l'inefficacité de la fermeture des frontières. Parce que c'est trop tard, il faudrait que ce soit ultra précoce. La preuve, c'est que même en Autriche, qui est confinée, vous avez déjà un cas de variant qui a circulé, parce qu'on ne peut pas supprimer l'air, parce qu'on ne peut pas supprimer la circulation des virus. Donc il n'y a pas de raison de fermer les frontières. Ça ne fonctionne pas, c'est même contre-productif. Et j'allais dire, ce variant, il faut arrêter le mode panique, parce que les variants, on a l'impression, c'est un éternel recommencement. Vous alors vous dites que les variants, pas de panique, ça fait c'est partie... pas
pas grave. No big deal, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé. Oui, c'est le mot que j'ai utilisé. C'est pas une grosse affaire. Parce que c'est l'évolution naturelle d'un virus. Un virus, ça mute. Quand un virus arrive dans une population naïve, c'est-à-dire non vaccinée ou qui n'a jamais été infectée, eh bien, le virus va se multiplier sans problème. Quand il arrive avec une résistance, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce virus, il va essayer de contourner. Et donc, il va muter pour pouvoir se reproduire. Donc, finalement, c'est l'évolution naturelle. Et c'est plutôt peut-être même une bonne nouvelle, parce que quand vous discutez avec tous les virologues et quand vous regardez toute l'évolution des épidémies, mais depuis des décennies, pour ne pas dire plus, eh bien, ça va vers un affaiblissement. Les variants. C'est le cas là, pour celui-là, pour Omicron ? Alors, pas vraiment. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de mutations, mais il paraît très instable. C'est-à-dire que les 30 mutations autour de ce virus paraissent extrêmement instables, ce qui veut dire que ce variant ne serait pas forcément très solide, très robuste. Alors, vous avez... Il serait peut-être plus contagieux, mais pas forcément plus, contagieux, plus pas dangereux. Pas forcément plus dangereux. C'est ce que confirment les collègues en Afrique du Sud, hein, puisqu'ils disent qu'il y a eu zéro mort. L'OMS le confirme, il y a eu zéro mort de Omicron. Les collègues disent que c'est plutôt des formes qui sont bénignes ou modérées. Et puis, encore une fois, ça va avec l'évolution naturelle des virus, ça va vers un affaiblissement. La grande question, c'est est-ce que le vaccin que près de 60 millions de Français ont reçu, plus même d'ailleurs, est-ce qu'il est résistant ou pas ? Enfin, est-ce qu'il permet d'être protégé contre ce nouveau variant ? Alors, trop tôt pour le dire, mais si vous avez un variant qui finalement donne des formes naturellement assez bénignes ou assez modérées, finalement, vaccination ou pas vaccination, c'est pas ça l'enjeu et c'est pas ça l'importance. Le vaccin, il est fait pour la souche de Wuhan, et je vous rappelle que le vaccin actuellement ARN messager, que ce soit le Pfizer ou le Moderna, c'est toujours pour la première souche de le variant de Wuhan. Le variant Delta, il y a un peu moins de sensibilité, mais il faut que ça protège les personnes fragiles de ces deux souches-là. Si vous avez une autre souche qui arrive, par exemple, d'Afrique du Sud et qui est très peu virulent, finalement, votre vaccin, il ne va pas servir à grand-chose. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir donc, peut-être un vaccin, imposer... une V2. Ah oui, il ne faut pas imposer une troisième dose plus rapidement, là, écoutez, de peur de voir le variant Omicron. Je pense qu'il y a deux choses déconnectées. Devenir majoritaire en France. Il y a une troisième dose chez des gens qui ont un système immunitaire qui n'est plus compétent, qu'il faut rebooster, et c'est essentiellement les plus fragiles. Et puis, il y a la deuxième chose, qui est ce fameux variant sud-africain. Ce variant sud-africain, on en saura un petit peu plus, mais globalement, ce qu'on a actuellement, c'est il n'est pas très sévère, il est peut-être plus contagieux, et s'il remplace le Delta, ben moi, je préfère qu'on remplace, et je ne suis pas le seul à le dire, avec quelque chose qui est moins sévère qu'avec un variant qui est un peu plus embêtant. Sur la mutation des variants, écoutez l'inquiétude du président du Modem, François Bayrou, ce matin. Ma crainte, c'est qu'un jour, ce virus connaisse une mutation qui lui permette de s'attaquer aux jeunes enfants. Et ce jour-là, nos sociétés se trouveront dans un danger extrême de déstabilisation. C'est une inquiétude que vous ne partagez pas, visiblement, Dr. Kierzek. Je partage cette inquiétude. Je dis juste à quoi ça sert de dire ça. Moi aussi, mon inquiétude, c'est d'avoir un virus qui va sortir de nulle part et qui va décimer l'humanité. Ce n'est pas du tout le cas. Le coronavirus, on connaît la famille des coronavirus. Le SARS-CoV-2, on sait maintenant que la médiane d'âge des décès, c'est 85 ans chez des gens extrêmement fragilisés. Il y a quasi zéro décès chez les enfants. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une mutation qui aille vers un virus beaucoup plus létal. Donc, je trouve que c'est très anxiogène. Alors, François Bayrou, que je respecte comme homme politique, mais ce n'est pas un scientifique. Et je trouve que la responsabilité des politiques actuellement, elle est extrêmement forte pour ne pas angoisser. Or, ce que je vois, c'est qu'il y a plutôt un discours très anxiogène, corroboré d'ailleurs par certains confrères et consoeurs, et ça, je ne peux que le regretter. Et je pense qu'il faut rapidement sortir de ce mode panique, justement, de gestion, parce que si on n'a pas compris qu'on va vivre avec le coronavirus, qu'on va vivre de manière endémique et qu'à un moment donné, il va falloir se calmer, bah, c'est qu'on n'a rien compris. Et les gens ne peuvent plus vivre comme ça. C'est-à-dire que la pression... Moi, je vois sur mes patients, la pression psychologique, la santé mentale, les psychiatres sont extrêmement inquiets. C'est-à-dire qu'il y a un problème de santé mentale beaucoup plus qu'un problème sanitaire avec ces variants. Pour parler simplement vocabulaire, doit-on dire variant Omicron, lettre grecque, la 15e, ou variant sud-africain, puisqu'il vient de cette région, cette fois-ci, Yannick Jadot s'exprimait là-dessus ce matin. On parle du variant Omicron, personne ne comprend rien. Il faut arrêter avec ces lettres totalement débiles que personne ne comprend. On a un variant sud-africain. On a eu le variant brésilien, on a eu le variant indien. Je dis ça pourquoi ? Pas pour stigmatiser des pays, mais pour rappeler une réalité. Nous ne sortirons pas de cette pandémie tant que le monde ne sera pas vacciné. Et puis surtout, on va manquer de lettres. Oui, il y a 24 lettres dans l'alphabet grec, mais les variants, c'est normal d'avoir des variants. Il faut vacciner les pays... qui n'ont moins accès au vaccin, non ? Non, moi je suis partisan, comme beaucoup de virologues, comme beaucoup d'immunologistes, de dire
les plus fragiles, on les vaccine. Les plus de 65 ans, les gens avec des comorbidités et les gens qui sont obèses, puisqu'on sait que l'obésité, c'est un facteur de risque majeur. Et puis, ceux qui n'ont pas de risque de développer une forme grave, il faut miser sur l'immunité naturelle. C'est-à-dire que la stratégie du tout vaccin est, à mon avis, et l'avis de beaucoup de monde, et c'est de plus en plus un avis qui est partagé, est une mauvaise stratégie. Le vaccin, c'est pour des gens qui sont très fragiles. Et les autres, il faut laisser circuler le virus parce que ça développe une immunité naturelle beaucoup plus impactante et forte contre des variants, justement. Regardez ce variant en Afrique du Sud, on l'appelle sud-africain, Omicron ou comme vous voulez. Il est muté. Il y a 30 mutations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a non seulement la cible du vaccin, ce qu'on appelle la protéine spike, mais toutes les autres cibles autour. Or, l'immunité naturelle est beaucoup plus forte que le vaccin qui va cibler uniquement une unité et uniquement une cible sur ce vaccin. Donc c'est, la nature est bien faite. À un moment donné, il faut vivre en harmonie avec cette nature, avec cet écosystème. On protège nos aînés, nos plus fragiles, et l'immunité naturelle, et surtout les enfants qui risquent absolument rien, on respecte cette immunité. Gérald Kierzek, dans une interview au Figaro, vous avez déclaré que l'hôpital était sur le point de craquer et que ce n'était pas la cause. À cause du Covid, de nombreux services d'urgence manquent déjà de ressources humaines en France et ferment, et aussi de matériel. Est-ce que l'État ne fait pas assez, selon vous, pour l'hôpital ? Est-ce que vous êtes très, très inquiet ? Est-ce que l'hôpital en France est en danger ? Alors, je suis très inquiet pour l'hôpital public et j'étais venu sur ce plateau il y a des années avant le Covid pour défendre l'hôpital public, les services d'urgence. C'est de pire en pire avec un détricotage du maillage territorial. Les gens qui nous regardent savent très bien que les maternités disparaissent, qu'on accouche maintenant dans les camions de pompiers sur le bord de la route. On est quand même en 2000, bientôt 2022, dans une puissance mondiale. Les services d'urgence ferment, on n'a pas d'attractivité. Et depuis le Covid, ça s'est aggravé parce que les infirmières partent, parce que les médecins partent. Donc on a du mal à recruter. Vous on ne voyez pas les 9 milliards du Ségur de la Santé ? En tout cas, vous, vous ne les voyez pas. C'est du saupoudrage, les 9 milliards. Einstein disait, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Depuis 10 ou 15 ans, vous avez à la tête des hôpitaux des gestionnaires. Pourquoi ? Parce qu'on s'est trompé d'objectif dans ce pays. On a dit, on fait des économies et on soigne. Il faut d'abord soigner et soigner mieux avec l'argent qu'on a, c'est-à-dire que faire des économies, mais sur des choix médicaux. Or, ceux qui décident à la tête des hôpitaux ne sont pas des médecins, ne sont pas des soignants. Donc, c'est des gens qui sont uniquement avec des tableurs Excel, avec un budget à équilibrer. Et ça, c'est juste infernal, aberrant et contre-productif. Quand vous voyez qu'on demande à un chirurgien de choisir la taille de la pince, tout ça pour faire des économies budgétaires, c'est problématique. Quand vous voyez qu'on prend les infirmières comme des pions et qu'on prend une infirmière de psychiatrie, on la met en cancéro, puis après on va la mettre aux urgences, c'est aberrant parce que ça va la démotiver, parce qu'elle va moins bien faire son boulot, et vous, en tant que patient, vous allez en pâtir parce que des soignants malheureux, c'est des patients malheureux. Donc ça n'a rien à voir avec le Covid. Quand je regarde les chiffres, l'hôpital, il va pas craquer à cause du Covid. L'année dernière, il a pas craqué à cause du Covid, hormis dans le Grand Est et en Île-de-France. En revanche, il y a un vrai problème de crise structurelle, ça je l'ai dit et redit là aussi, plutôt que de crise conjoncturelle liée à ce virus. Le virus, c'est juste le symptôme d'une crise et d'une maladie qui est beaucoup plus profonde de l'hôpital. Donc il faut réinverser, c'est remettre des soignants aux manettes. Il faut que ça devienne un sujet, vous faites de la politique, un sujet de la présidentielle, c'est fondamental. Vous restez tous les deux avec nous, on continue à évoquer l'actualité, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu. Dernière semaine pour les candidats à l'investiture à droite. Oui, le congrès c'est le week-end prochain, mais le vote démarre mercredi après le dernier débat qui se tiendra demain soir. Ce week-end, le patron des Républicains s'est satisfait de la tenue de cette campagne, de la participation annoncée, et a eu cette petite phrase. Il espère que les discussions du repas de Noël des Français tournent autour de notre candidat. Ah ben, faut que je change, joyeux Noël, joyeux Noël, ça fait envie pour le réveillon. C'est une théorie qui circule beaucoup dans le monde politique, la théorie de la dinde. Ah oui. Et oui, c'est un sens. La dinde, c'est ce qu'on mange, et la conversation, c'est autour de la dinde. Il faut mettre ses propositions dans l'atmosphère juste avant Noël. Ça fait envie, hein ? Alors, oui. En préparant le réveillon sans mauvais esprit dans la dernière ligne droite, vous ne les manquerez pas, ils sont et seront partout toute cette semaine, et déjà, ils sont tous sûrs de gagner. Il s'agit d'élire le président de la République. Il s'agit d'élire quelqu'un qui est capable de rassembler les Français et en même temps de négocier tout de suite, comme je crois pouvoir le faire avec les autres pays européens. Je crois être la surprise de cette campagne et je suis certain qu'on va créer la surprise dans le résultat. Vous savez, je sens une très belle dynamique et je sens monter la vague. Je sens que je touche juste. J'ai bien l'intention, M. Fauvel, regardez-moi bien, de revenir vous voir, de porter les couleurs des Républicains et d'être candidat à l'élection présidentielle.
en jouant l'ancrage local pour certains. Michel Barnier, chez lui, en Savoie, au centre des congrès d'Aix-les-Bains, hier. Côté Xavier Bertrand, c'était à Paris, mais il parlait de chez lui, des Hauts-de-France, ce matin, avec sa proposition de laisser monter les migrants dans les ferries à Calais. Mohamed vous en parlait. Philippe Juvin, à domicile aussi, finalement, bon, rattrapé par sa casquette de médecin. Regardez le bandeau en dessous, il répondait sur le nouveau variant Covid et sur l'hôpital public. Pour Valérie Pécresse, c'est autre chose. C'est le costume de présidente. Regardez, tout y est, du vêtement au pupitre. Ça, c'est aujourd'hui, c'est ce matin. On dirait presque qu'elle nous présente un projet de loi jusqu'au drapeau français et européen. Et puis, pour ce qui est de sortir du lot, de se démarquer avant Noël, la faute de car d'Éric Ciotti qui croit dénoncer une ville écolo, Besançon, où l'on ne dirait plus joyeux Noël, mais fantastique décembre. Point de wokisme, de déconstructeur ou d'anti-christianisme, mais une opération des commerçants de la ville depuis 2019. Mathieu Orphelin, c'est vrai ce qu'il dit, Christian Jacob, ce que dit David Doucan? Non, ils sont géniaux, là, je pense qu'ils ne... Enfin, bon, cela dit, ils ont eu un débat entre eux. Moi, je trouve que c'est... Voilà, bon, oui. Bon, un débat qui était quand même très, très à droite de la droite, et il y a eu un concours de désintelligence, je ne sais pas comment dire, mais on essaie de coller à Zemmour, etc. Je ne voudrais pas leur faire peur, mais... Moi, c'est moi qui invite cette année à Noël, mais on ne parlera pas des Républicains. Hein, mais non, soit. Mais il y a une semaine encore, vous prépariez une autre campagne. Non, non, mais même Noël, il faut arrêter d'embêter les Français. Ah bah Noël, tiens, alors attendez, j'ai une autre question non, pour vous, Mathieu. Non, mais les Français, à Noël, la vraie question, enfin moi, à Angers, oui, ce week-end, ils ne disent pas est-ce qu'on a le droit de parler des Républicains ou quoi. Ils disent est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël. C'est quand même ça la question des gens. Ni du variant, ni des Covid, alors, hein, c'est ça. J'ai une autre question pour ce qui est de Noël, puisqu'on parlait des mairies écologistes. Alors, Éric Ciotti disait n'importe quoi sur Besançon, mais la mairie de Strasbourg bannit le foie gras de ses réceptions officielles, regardez. Au nom du bien-être animal, il faudrait bannir totalement le foie gras, selon vous? Alors, c'est une décision qui concerne en fait le protocole et les réceptions organisées à l'hôtel de ville par la ville. C'est des décisions que j'ai prises en début de mandat avec des critères autour de l'éco-responsabilité, du bien-être animal et aussi de la sobriété. Ça n'aura aucun impact économique sur la filière. Il y aura du foie gras à table. Moi, je peux vous dire que je comprends sa décision. Je suis pas sûr que ça. Oui, parce que et puis moi, ça m'a toujours choqué. Je le dis une fois quand on a travaillé au Conseil régional des Pays de la Loire. Le gavage des oies, ça vous choque? Non, attendez. On avait du. C'était le budget de crise, c'était en 2000, je sais plus combien, mais enfin bon. Et du coup, au repas des élus, on a eu du foie gras. Je me suis dit, ben non, ça peut pas marcher comme ça. Et donc, effectivement, je peux comprendre sa décision, mais maintenant, j'ai quand même eu pas mal de soucis, mais maintenant j'ai retrouvé ma liberté de parole, donc je vais pouvoir vous dire que je pense qu'à Noël, chez moi, il y aura du foie gras, et que certains en mangeront, et d'autres n'en mangeront pas. Je ne veux pas vous mentir là-dessus. L'objectif mais là, c'est, mois... là c'est, elle est sur une autre dimension. Je trouve qu'elle est dans une sorte d'exemplarité de la décision publique. Parce que l'objectif des prochains mois, c'est de devenir président de la France. Donc, bon. Si vous voulez devenir président de la France en étant contre le foie gras, c'est comme être contre Noël ou contre le sapin de Noël, je veux dire. Mais c'est marrant parce qu'on a eu la discussion entre nous. Il y a eu la discussion suite à sa décision qu'elle a prise. Encore une fois, je pense que c'est vraiment une mère. Et que disait Yannick Jadot? Qui assume. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais je ne crois pas qu'il était sur cette... Moi, je pense. Non, mais encore une fois, mais je... Chacun ses responsabilités. Je crois que les écologistes devraient faire attention parce que tout le monde veut les caricaturer. Et que, par exemple, sur le sapin de Noël, moi, j'avais, dès que j'ai vu la polémique, enfin, la phrase du maire de Bordeaux, qui est très fort d'ailleurs, mais il a gagné, voilà. Tout de suite, j'avais envoyé un petit texto à son directeur de cabinet en disant, là, crois-moi, crois mon grand nez, là, il y a une polémique qui va loin. Il m'a dit, non, on assume. Bon, ben voilà, ça a fait le truc. Mais ils assument. Mais moi, je crois que pour conquérir le pays, pour mettre les écologistes en responsabilité, je ne crois pas que l'enchaînement, mais je suis assez minoritaire sur ce sujet-là, mais moi, je ne crois pas que l'enchaînement des polémiques participe à porter la France, à porter les écologistes aux affaires. Pouvoir. Merci beaucoup, Mathieu Orphelin, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Un anniversaire cette semaine, Mathieu, celui de l'arrivée d'Uber en France. Alors, si les urbains sont habitués à commander un Uber pour rentrer, à se faire livrer, à manger, ou même à utiliser le verbe ubériser, premier groupe, l'implantation du géant américain ne s'est pas faite sans douleur. Jour de colère pour les taxis parisiens. Ce matin, les chauffeurs sont confrontés à un nouveau concurrent. Depuis un smartphone, il est en effet possible de commander un taxi ou plutôt un véhicule conduit par un particulier. On paye des charges sociales, on paye du RSI, on paye des licences, on a une réglementation qui est lourde, on a des crédits, on a des familles à nourrir. On est là pour travailler, on fait 11 heures par jour. On voit nos clients, c'est pas normal.
Bonsoir Laureline Sarriès. Bonsoir. Directrice générale d'Uber France. Le 5 décembre, vous fêterez les 10 ans de votre société Uber en France. Paris, qui est une ville pionnière, c'est la première à s'être ubérisée hors États-Unis. Et on peut même rappeler que c'est la première ville, effectivement, dans laquelle l'idée même d'Uber était née, puisque les deux cofondateurs, Travis Kalanick et Garrett Camp, ont eu l'idée d'Uber par une nuit neigeuse en 2008 à Paris où ils ne trouvaient pas de taxi. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée d'Uber. Ah oui, il neigeait il y a 10 ans à Paris. Ah ben c'est ce que l'histoire a retenu chez nous, en tout cas il y a 13 ans, parce que c'est le début d'Uber. Et puis effectivement, Paris a été la première ville en dehors des États-Unis à être lancée après ça. Alors on parlait à l'instant des difficultés d'installation en percutant le monopole des taxis à l'époque. Depuis vendredi soir, les Uber sont interdits en Belgique. Regardez ces témoignages de chauffeurs VTC belges qui manifestaient. Bruxelles, c'est une grande ville. Il y a les gens qui préfèrent Uber, il y a des gens qui préfèrent taxi. Il faut laisser les gens choisir à leur envie. Nous, on est des indépendants. On n'a pas de chômage. Si on s'arrête, on a des leasing, on a des assurances, on a des enfants, des familles. Les gens, ils ont investi des voitures de 40 000 jusqu'à 60 000. Et on a des trimestres à payer chaque mois 700 euros, plus la comptabilité. En Angleterre, aux Pays-Bas, on vous force à reconnaître des droits, salaires et avantages aux chauffeurs. En France, les prestations d'un chauffeur en contrat de travail et des centaines de procédures seraient en cours. 10 ans après, vous n'êtes toujours pas installé. Alors, en fait, ce qui est très important, et ça a été souligné dans les témoignages qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que, y compris en France, 80% des chauffeurs disent qu'ils souhaitent rester indépendants. Oui, donc, il y a un attachement qui est très fort à l'indépendance, mais les questions qu'il y a autour, effectivement, dans certains pays, y compris en France, il y a aussi des débats. Ces débats posent la question de la protection sociale. Et en fait, pour moi, il s'agit d'inventer, en fait, un modèle dans lequel, à la fois, on préserve l'indépendance, puisque c'est ce que souhaitent les chauffeurs, et c'est la raison pour laquelle ils choisissent ce métier, et en même temps, aller vers davantage de protection sociale. Et c'est la voie qu'est en train de choisir la France. La France est le premier pays au monde à souhaiter mettre en place du dialogue social, c'est-à-dire de donner la possibilité aux chauffeurs d'élire des représentants pour se mettre d'accord sur et négocier avec les plateformes sur les revenus et d'autres choses. Sans cette indépendance-là, votre modèle économique ne tient plus. En fait, c'est pas ça. C'est plutôt vraiment le choix des chauffeurs en eux-mêmes qui souhaitent l'indépendance, comme je le disais à l'instant, et qui l'appellent de leur vœu, vous savez. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent mieux leur vie en étant indépendants ? Parce qu'ils ont de la flexibilité et qu'ils gagnent correctement leur vie. J'ai pris mes fonctions il y a 2 ans. Alors à peu près, pour vous donner un exemple, un chauffeur qui travaille à peu près 42 heures par semaine, quand il déduit 100% des charges qui lui incombent, gagne à peu près 1617 euros net par mois, là où aujourd'hui le SMIC est à un peu plus de 1250 euros. Donc ça, c'est la comparaison. Et c'est vraiment le souhait des chauffeurs. Et vous savez, depuis 2 ans, je suis allée sur le terrain. La première chose que j'ai faite après ma prise de fonction, c'est d'aller à leur rencontre, et je répète ça chaque année. J'ai eu des discussions parfois houleuses avec eux. Jamais un chauffeur n'est venu me voir en me disant, madame, mon problème avec Uber, c'est que je veux être salarié. Alors, vous avez pris vos fonctions il y a 2 ans, vous le soulignez, en pleine polémique. Une autre question qui s'impose pour vos 10 ans, celle de la sécurité des passagers. Regardez. J'ai la cuisse, puis il m'a pris fermement la main. Il baisse sa main vers le haut de son pantalon. Il me dit, regarde comment tu m'excites, regarde comment tu me la lèves. Je rentre chez moi, la culotte descendue. Et là, ma coloc est endormie. Et je lui explique que j'ai été violée. Alors, il y avait une vague de témoignages en 2019. Des mesures ont été prises, il faut le souligner chez vous, pour sécuriser passagers et passagères. Vous aviez même communiqué sur des chiffres d'agression à l'époque, ce qui est assez rare. Et puis, je suis tombé sur cette vidéo à destination des chauffeurs. Un trajet en véhicule avec chauffeur n'est pas un endroit pour faire des rencontres. Évitez également de parler de votre vie sexuelle, de celle d'autrui, d'avoir un langage inapproprié. Souvenez-vous que quoi qu'une personne porte, son état d'ébriété, cela n'est pas une invitation pour la draguer. Certaines personnes vont masquer leur gêne en riant ou en souriant, alors même qu'elles souhaitent que vous arrêtiez. On a besoin de leur expliquer qu'on ne touche pas une jeune femme en état d'ébriété ? Non, pas du tout. En fait, là, ce que vous voyez là, c'est le fruit d'un travail. Vous savez, cette période-là, elle a été extrêmement choquante, évidemment, pour les femmes qui ont subi les agressions qu'elles ont subies. Vous avez montré quelques témoignages. Elle a été évidemment choquante pour nous en tant qu'entreprise aussi. Ça a été une crise importante. Et en fait, on s'est remis en question et la personne que vous voyez vous exprimer, les deux personnes que vous avez vues sur cette vidéo, c'est un chauffeur d'un côté et de l'autre côté, Alma Guirao, qui est la fondatrice d'une association qui s'appelle End the Way. Et donc, depuis 2 ans, on a travaillé d'arrache-pied pour renforcer les mesures de sécurité, mais pour aussi faire de la prévention. Là, il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux chauffeurs, mais on a fait la même chose du côté des passagers pour essayer de faire de la sensibilisation et de porter notre petite pierre à l'édifice, je dirais, dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Depuis votre arrivée il y a 10 ans, Uber a fini par donner le verbe ubériser. On a parlé de nouvelle économie, de services, de salariés qui n'en sont plus mais des indépendants comme on l'évoquait auparavant. Ubériser, ça a donné un modèle, mais c'est quand même utilisé péjorativement parfois. Alors, s'il y a beaucoup de connotations, on dit prendre un Uber, on ne dit pas prendre un VTC. Donc, c'est le signe, effectivement, que quelque chose s'est installé dans la société. Quand on parle d'ubériser, on parle aussi d'innover. Beaucoup, au démarrage, ubériser, ça voulait dire ça. Et quand ensuite, à la question du modèle social, j'en ai parlé tout à l'heure, on a fait beaucoup de choses aussi, nous, du côté d'Uber. Par exemple, on a mis en place une protection santé pour les chauffeurs qui est prise en charge à 100% par Uber, par exemple, pour que les chauffeurs puissent, en cas d'arrêt maladie, par exemple, pendant le Covid, être protégé. Donc on a fait des choses et on souhaite aller plus loin et on abonde vraiment dans le sens du gouvernement pour la construction d'un dialogue social inédit et pour pouvoir discuter autour de la table avec des représentants élus de chauffeurs, de leurs revenus, de leurs conditions de travail et continuer à construire le modèle. Dernière question, très rapidement. Où sont passées les bouteilles d'eau et les petits bonbons? Alors, ça, c'est vraiment... Non, il n'y a que moi qui me la pose. Oui, non, j'ai un Kersak aussi. Alors, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment, j'allais dire, au choix du chauffeur. Hein. Encore une fois, il est indépendant. Et vous le savez, il existe aussi plusieurs produits dans l'application, plusieurs niveaux de gamme. Vous avez Uber Berlin, là, c'est le service le plus premium. Bon. Et vous avez le service le plus démocratisé dans lequel, effectivement... Il faut que je monte en gamme. Non, mais trop, il n'y a pas les bouteilles d'eau non plus. Non, faut que je cherche. Il faut que je monte en gamme, en fait. Vous êtes venu en Uber Prestige. Uber Berlin. Alors, je suis venue Berlin. Personnellement à Uber Confort. Ah, Uber Confort. Voilà. Vous étiez contente, vous avez mis une bonne note à votre chauffeur Uber. Il savait qu'il avait la directrice générale d'Uber France dans sa voiture. Ils ne le savent pas toujours, mais quand la discussion s'engage, je le dis systématiquement. Ah oui, vous n'espionnez pas. Jamais. Bon, merci beaucoup, Laureline Ferrias, d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous, nous parler des 10 ans de cette entreprise Uber France. Merci beaucoup. Merci. Le beau Julien, le gentil Julien, le talentueux Julien. Julien Clerc fait l'unanimité, invité d'Anne Sinclair en 1985 dans 7 sur 7. Est-ce que c'est pas un peu agaçant d'être aimé comme ça par tout le monde, le beau Julien, le gentil Julien, le talentueux Julien? Vous aimez l'unanimisme comme ça sur vous? C'est très embêtant. C'est très embêtant. Mon but était de déplaire, en vérité, au départ, et c'est raté. Pour être un peu plus sérieux, je crois que... Je sais que le fait de plaire à des gens, à des gens qui sont de nombreuses personnes, déplaire à quelques-uns, mais je crois que c'est notre lot à tous, il faut l'accepter. Bonsoir, gentil Julien, beau Julien, talentueux Julien. Dans une émission où Philippe Geluc était invité, il m'avait fait un dessin qu'il m'a offert, qui était formidable, qui disait forcément, quelqu'un qui plaît à tout le monde, ça ne fait pas l'unanimité. Ben voilà. Mais c'est quand même très agréable de faire l'unanimité depuis si longtemps et vous ne serez pas déçus ce soir. Vous allez faire l'unanimité auprès de l'équipe de C'est à vous parce qu'on a aimé. Ben, je vous montre pas le bon album. On a aimé les jours heureux. Il y a les deux. Il y a l'album là et puis et après, il y a le coffret avec les deux. C'est rien et celui-là. Mais c'est des jours heureux dont on parle avec ces reprises de tous ces immenses noms de la chanson française. On en parle longuement parce qu'ils vous ont inspiré, ils ont suscité votre vocation et en plus ils vous ont accompagné dans des duos. On verra ça dans un instant. Ouais. Julien Clerc est l'invité du dîner de C'est à vous. Merci David Doucan. À demain. À tout de suite.